C'est marrant parce que j'ai un pulli hongrois avec moi là dans la salle d'attente. Tu vois ce que c'est? Oui, ouais, je vois, c'est un chat hyper poilu, non? Oui, très. Et justement, je me demandais, ce serait peut-être possible que tu me fasses une tonte? Non, du chien, là, désolé, je peux pas. Pourquoi? Une pré-tonte alors, juste vite fait? C'est que j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de ce chat et la cliente, elle arrive dans 2 heures. Oui, mais ça c'est 2 heures, c'est. Oui, quand même, un pulli hongrois. Hein? Ah oui, on filme, c'est ça? Salut à tous! Alors aujourd'hui, je suis au cœur du métier du toiletteur canin. Exactement. Et je suis avec Laura du centre de formation de l'artisanat. Bonjour à tous! Ça va Laura? Ça va très bien, et toi? Mais ça va, en plus j'adore les bêtes. Bah ouais, regarde, on a un beau Maine Coon aujourd'hui, donc très il gentil. Il est calme lui, hein? Et il est très calme, oui, oui, exactement. Très calme, ouais. Raven, un Maine Coon, et aujourd'hui, donc on l'a lavé, on l'a séché et on l'a broché. Et il est bien là. Et là, il est ça bien. Ça se voit, ça se ressent, ouais. C'est quand même un beau métier, hein? Oui, c'est un très beau métier. C'est quoi qui t'a donné envie de, eh ben, de faire moi, la formation de ce métier? J'adore être en contact avec les chats, les chiens, et surtout voir avec un petit peu la clientèle comment se comportent leurs chiens, comment eux, ils voient leurs chiens. Donc tout ça, ça me plaît et moi, j'aime bien donc prendre soin des animaux. Et qu'est-ce qu'on apprend alors pendant la formation? Eh ben, on y apprend l'anatomie du chien, tout ce qui est son origine, toutes les races, et on apprend aussi les maladies. Ah ouais? Oui, c'est très important, ouais. Les maladies sur les chats. Donc c'est pas forcément le vétérinaire qui apprend ça, c'est... Oh, ça peut être nous aussi. Vous en faites partie aussi, oui, ouais, on en fait partie, s'il a une coupure, une griffure, comment est-ce qu'on peut soigner? Ok, ouais. Et c'est quoi tes objectifs après la formation? Alors moi, je voudrais ouvrir donc mon camion en campagne. Donc moi, je suis de Nancy, donc... Donc à domicile? Oui, à domicile, donc bien, je ouais. serai devant chez les gens avec mon camion. Et du coup, Laura, toi, tu as quel âge? Alors moi, j'ai 30 ans. Et donc, tu te lances dans la formation, donc t'as fait quoi en fait avant de... Alors avant, depuis 2017, je travaille à Cora, donc à Nancy, et je suis hôtesse de caisse, et avec mon employeur, j'ai décidé de faire une reconversion. Et mon employeur n'a pas hésité à me dire oui. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Ah bah c'est bien, bah, félicitations en tout cas. Merci. Et merci. Mais je vous en prie. Et du coup, pour mon pulli hongrois, c'est un et peu ben, noir quoi. Il faut hein. prendre rendez-vous. Ça marche. Il est mignon lui. Je l'emmène. Allez hop. Oui, moi aussi. Oui, il y a papa qui est là. Bon, et hop. Bonne journée. Et si. Non. Alors, toi, tu vas mais pas le chien. Pas le chien.